pour le truc annuel là, du dentiste. Et là, je stresse un peu, je fais mes appels parce que non, hein, c'est la DPJ qui est censée payer. Dans le fond, parce que je suis en famille d'accueil, donc c'est eux. Et il faut que j'aie une réponse avant demain, s'ils si payent ou pas. Et il faut qu'ils me répondent avant demain, 1 h. Et sinon, je vais falloir que je prenne mes économies et que je paye mon dentiste. Mais ça coûte très cher. Et j'avais comme pas besoin de cette dépense-là pour le moment. Donc bon. Margaret, pourquoi t'es pas. Attends, je t'ai pas trouvé avant. Tu m'as trouvé, c'est là l'important. Hey, hi, how are you doing? Allô? Tonton, on a marre. Qu'est-ce que t'as marre? T'as marre de quoi en fait? Maya, comment t'as payé? Where you come from? Canada, actually. D'un Québécois de rang magnifique. Merci. Comment ça va bien, toi? Tu penses trouver ton âme sœur en Italie? Je sais pas. C'est ma dernière préoccupation, je dirais. J'ai fait un don. Merci. Je l'ai pas encore reçu. Mais merci pour le don. Attends. Ton nom, c'est. J'ai pas ton nom, donc. Ça se peut que j'ai reçu ton don plus tôt. Mais je sais pas si tu l'as envoyé là. Si tu l'as envoyé là, je l'ai pas encore reçu. Mais merci beaucoup. Je suis pas mariée, guys. Je n'ai même pas de copain en vue ou de crush ou quoi que ce soit. Ma vie sentimentale est morte et enterrée pour le moment. De où, du Québec? Et toi? Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, Bastien. Do you speak French? Yes, I do, and I can speak English too. Vietnam, that's cool. T'as l'accent québécois, oui. Pas ultra prononcé non plus, mais je l'ai tout de même. Pardon. On dirait que t'as des larmes dans les yeux. Bah, mes yeux sont souvent. Non, je pleure pas. J'ai des yeux, comme qu'on appelle translucides.
ce qui reflète énormément avec la lumière, donc ça se peut que j'ai l'air de pleurer. Pourquoi elle a autant pleuré réel? Ça, c'est peut-être à cause de mes grands yeux et que je cligne pas beaucoup des yeux, ce qui perturbe les gens. The person tell me if I have enough on my GoFundMe until the end of May. I'm sure until the end of the March actually, because it took 3 weeks before receiving money. I will go to Italy in the end of May. It took 3 weeks around this to have the visa. It took three weeks receiving the money from the GoFundMe. So I need to do this 2 months before enough. Ah, t'es magnifique, merci. Est-ce que je fume? Non. Salut, passez une bonne journée. Pas trop. là, j'essaie d'avoir des réponses de la DPJ, Département de protection de la jeunesse. Ben, ils sont censés payer pour des affaires médicaux telles que dentiste annuel. Et faut que j'aille avant que je parte en Italie. Et je viens d'être appelée par le cabinet qui ont une place libérée pour demain et que Et là, j'attends que la DPJ m'informe qu'ils vont payer parce que si je paye avant, il n'y a pas de remboursement. Mais s'ils ne me répondent pas à temps, ben, tout de même, il faut que j'aille chez le dentiste. Donc, c'est un coût que je peux donner, mais que j'avais pas prévu. Donc, dans mes dépenses, parce que c'était pas censé être le cas. Donc, bon. Combien? 270 environ, mais je l'ai ça dans mon compte. Ça va, ça je l'ai dans mon compte. C'était comme de l'argent stand-by que j'avais mis au co pour le dentiste, mais c'était vraiment censé être co, pas que censé que j'utilise. C'est de l'argent dans mon des cadeaux que j'ai reçu de Noël que j'ai pas dépensé. C'est juste un coup que je m'attendais pas et ça m'énerve. Speak English, salut. Tu as reçu des cadeaux. J'ai reçu, oui, sur GoFundMe en tant que tel. Comme cadeau, j'ai reçu ce sac pour mon voyage. Quelqu'un voulait participer sans vraiment me donner de l'argent en tant que tel. Donc, m'acheter ce sac à dos. Alors, la collab avec Lola, ça avance, t'as pu échanger avec elle. En fait, j'ai comme un manque d'informations et tout sur cette collab-là, donc si t'as plus d'informations, je vais les prendre. Ben, ça me semble assez nébuleux. Hola, buenas noches. Hola. Hello. Hello. How are you doing? Je l'ai fait. Pourquoi tu déménages pas à Montréal? Ah! Pableville pour trouver un travail. Parce que déjà, déménager dans ces coins-là en ville, ça coûte très cher. Plus que très cher maintenant. Et en ce moment, je suis en famille d'accueil. Donc, j'ai comme pas le choix de rester d'où je suis tant que j'ai pas. Tant que j'ai 18, je l'ai dans un mois. Will you work as an au pair in Italy? Yes, I will. J'ai pas compris. Tu as envoyé ton dossier pour la collab. Ben, dans le fond, c'est. J'ai un manque d'informations sur la collab. Et j'aimerais en savoir plus avant d'envoyer le dossier. Ok,
Guys, don't send me rose or gift on the live. If you really want to help me, go on my GoFundMe, please. It will help me so much better than over TikTok, because it's really complicated to get money over TikTok. And I can't really take it. I know it's weird, but it's something, it's really complicated over TikTok. So my GoFundMe is on my bio. If you really want to give me some gift, go on my GoFundMe, my bio will help me so much. But thank you for the gift that you gave me. That's in some, where you came from, Canada actually. Hello. Hi. Hi. Sorry. T'as pas fait d'appel depuis, je sais pas quoi faire, mais ça. Ben, enfin, je tombe direct sur la boîte vocale. Donc, j'ai laissé un message, j'ai rappelé, j'ai laissé un message. La dame de la famille qui est aussi a laissé un message. Donc, oui, j'ai fait les appels, j'attends. Prenez général, tu parles maintenant. Donc, beaucoup d'appels et ça va pas pour un service en particulier. Donc, il faut que j'aille. Quand j'ai appelé, c'était comme général. Et je doute que durant la semaine de relâche, on peut toujours répondre vite. Pourquoi t'envoies pas le dossier? Mais j'ai expliqué, j'ai pas assez d'informations sur ce type de collab. Ça vient de quelle agence, quel est le nom de l'agence, et tout, donc j'ai pas cette information. Comment tu vas? Je vais bien, c'est toi. Mais écoute, je vais relire le premier email si j'ai pas oublié quelque chose, que j'ai pas skippé quelque chose. Salut, il y a une façon de t'aider financièrement pour le voyage. Oui, le voyage qu'on porte, dans le fond, c'est pour aider ou c'est pour mes études. Oui, dans le fond, il y a mon GoFundMe, si tu peux aider. Je serais vraiment reconnaissante. Donc oui, mon GoFundMe est dans ma bio. Si tu ne vas pas sur ma bio TikTok, elle est dans ma bio Insta, que tu vas voir mon Insta par rapport à TikTok, c'est sûr. Donc oui.
How tall are you? 5'4". Donc, combien je mesure? 1 m 63, 5 pieds 4. Hello. Okay, thank you. I'm from Canada, and soon I will go live in Italy, actually. My course and nice photo, merci. Romania. That's pretty cool. Canada is pretty cool and cold, but cool, so cold. Hello, you are so beautiful, thank you. Refaites ça. Toutes tes photos de l'endroit où tu vas t'installer. Ben, la ville, oui. La maison, pas tant que ça, non. You haven't heard of Romania? Yes, I did. It's a nice place. Cold plus depression for Canada. It doesn't have light for so long. It's pretty dark, pretty cold during winter, so seasonal depression happened a lot for us. Very cute, thank you. Est-ce que tu as des questions par rapport à la collab? D'accord. Sorry, tired. Not only for my family, actually, I'm in foster care. That's Yui. C'est ça qui t'a fait se coucher à 9h30 du mat. Oups.